neza cyane kuko uyu n'umunsi cérémonie se sont très bien déroulées car c'est une grande fête au sein de notre centre de formation anglaise. Nous venons de donner des certificats pour les deux promotions. C'est un grand honneur au sein du centre en général. Comme directeur du centre, je suis très content, ainsi que les étudiants, comme vous l'avez constaté. Ils sont très contents d'avoir décroché leur certificat agréé au niveau national. Et ces certificats leur serviront à chercher de l'emploi n'importe où au Burundi et partout dans le monde. Au total, 23 certificats, c'est beaucoup. Nous nous en réjouissons. Nos étudiants s'expriment correctement en anglais. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide au niveau tant moral que matériel pour l'amélioration de la formation, car notre centre est encore jeune. Nous sommes juste au début. Afise umutima wo gufasha kugira ngo duteze imbere igihugu biciye mwa kino kigo cy'umunyu bushashi mu cyongereza ko yo dusanga ku kimijyango uruguru igude usi komisi vu and gure ki ave travaillé tu et oui pour attendre cette nouvelle langue de dire la seconde langue troisième langue enseignée au Burundi. C'est une occasion pour vous. C'est une occasion pour vous, maintenant, de partager tout ce que vous avez étudié ici, d'informer tout le monde, les amis, les frères qui sont dans différentes communes, de venir s'inscrire dans ce centre afin d'apprendre cette nouvelle langue. Une personne qui apprend seulement les langues a des problèmes. Vous avez eu des témoignages de vos collègues qui sont allés à l'Inde. Si vous connaissez, si maintenant vous venez de recevoir ce certificat, ce document authentique qui certifie que vous avez appris pendant 9 mois la langue anglaise, je voudrais vous demander de ne pas conserver ce document. Dans le tiroir, dans votre tiroir, il faut montrer aux gens, aux autres, qu'il y a un centre qui enseigne l'anglais, que vous avez appris une nouvelle langue. Là où on va vous informer qu'il y a une passation dans l'examen pour avoir un bon boulot, tentez, allez, essayez, passez cet examen, peut-être que vous pouvez ici. Et sans doute, d'après les connaissances qu'elles obtiennent de recevoir, les informations qu'elles viennent de recevoir de la part de monsieur le président, vous avez appris beaucoup de choses. Vous aussi, vous avez témoigné qu'en allant à l'étranger, vous êtes débrouillé. Vous avez fait des choses très importantes. Cela montre que ce centre est un centre qui a un avenir. I want to speak English, but today I speak, but tomorrow I speak it very well.